بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. L'islam est une religion qui s'est propagée par l'épée. C'est là une thèse orientaliste, comme je vous le disais hier, d'un enjeu considérable, autant pour les musulmans que pour les détracteurs de l'islam. Parce que quand on renferme en soi un tant soit peu d'humanité, on ne peut se résoudre à faire partie des barbares, de ceux qui répandent le sang et de ceux qui sèment la terreur pour imposer leur religion ou leur idéologie. Et ce, aussi noble soit la cause. Faire admettre que l'expansion de l'islam ne s'explique que par la puissance des armes exclut toute idée de s'informer sur cette religion et inhibe toute envie d'essayer de la comprendre. Et c'est sur ce sentiment, tout à fait compréhensible si l'islam avait été une religion qui prônait la violence, que beaucoup d'orientalistes, appuyés par des ecclésiastiques, comptaient et comptent en avançant cette thèse. C'est aussi une thèse qui constitue un atout majeur pour les musulmans, surtout pour ceux d'entre nos frères qui n'ont pas encore compris qu'un musulman qui défend l'islam par une bonne argumentation est beaucoup plus précieux pour les musulmans et beaucoup plus dangereux pour les adversaires de l'islam qu'un musulman qui tente de le défendre par une arme à la main. Quand cette thèse est soumise à un esprit critique, de la manière dont elle est soumise par les orientalistes, elle ouvre un débat très intéressant, qui en dit long sur la réalité de l'islam en faveur duquel l'histoire tout entière plaide, et qui en dit long aussi sur les réelles motivations de ceux qui soutiennent cette thèse. Si l'on démontre que l'islam ne doit son expansion à travers l'histoire même de ses conquêtes qu'à l'esprit de paix, de justice et de tolérance dont ont fait preuve les premiers musulmans, on dépasse le simple stade de prouver son authenticité en tant que religion révélée, destinée par Dieu à conquérir le monde. On peut faire de l'histoire une cour de justice qui va demander des comptes à ceux qui se sont opposés et à ceux qui s'opposent toujours à son expansion. Et là, d'autres thèses verraient le jour. Qu'a perdu le monde avec le déclin des musulmans? Que serait-il advenu de l'Europe si les musulmans n'avaient pas été vaincus à Poitiers? Jules Barthélemy Saint-Hilaire, l'orientaliste français, auteur de « Mahomet et le Coran », s'est penché sur cette éventualité. Il a dit « Il est difficile de deviner ce que serait devenue la France, et peut-être aussi l'Europe, sans la victoire de Charles Martel, bataille de Tours, 732. Bien qu'il n'y ait point à croire que ni l'une ni l'autre eussent gagné à devenir musulmane. Mais il est certain que les Arabes, quoique moins disciplinés que les Francs, vainqueurs et héritiers de la tactique romaine, leur était supérieur sous bien des rapports. Et quelques siècles plus tard, c'était aux sciences et aux écoles de l'islamisme que l'Europe chrétienne allait devoir la moitié de ses lumières. Au XIe et au XIIe siècle, l'Espagne, livrée aux morts, instruisait le reste du monde après s'être instruite elle-même au monument de la Grèce. Si la scolastique n'avait point eu les sources arabes, il est sûr qu'elle n'eût pas fait de si rapides progrès. La renaissance d'Albert le Grand et de saint Thomas aurait pu se faire attendre encore bien longtemps. C'est donc là un caractère qui distingue les conquêtes arabes de bien d'autres. Et il serait peu équitable de les confondre soit avec celles des barbares, nos ancêtres, soit avec celles de Gengis Khan ou de Timur. Celles-là n'ont été que suite d'effroyables désordres. Le carnage et le bulletin étaient les seuls objets des envahisseurs. Et il n'est resté après eux que ruines et que deuil. Les Arabes, au contraire, ont semé partout des germes heureux, qui sont devenus féconds en d'autres mains que les leurs. Eh oui, les conquêtes musulmanes, bien qu'accomplies par l'épée, ont été source de beaucoup de bien pour beaucoup de peuples. Et c'est là un point sur lequel nous devons tous méditer. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.